154 grands électeurs étaient inscrits, 826 suffrages ont été exprimés, soit 96,72% des inscrits. Les résultats sont les suivants. Monsieur Baroukher Tel Eric a obtenu 86 voix. Madame Lemoal Sylvette a obtenu 59 voix. Madame Artigalas Viviane a obtenu 352 voix. Madame Carrère Marise a obtenu 460 voix. Monsieur Verdier Bernard a obtenu 125 voix. Monsieur Comte Jacques a obtenu 2 voix. Monsieur Trommel Marc a obtenu 1 voix. Madame Siani Wembu Virginie a obtenu 103 voix. Monsieur Kraspaï Gilles a obtenu 169 voix. Monsieur Béag Jacques a obtenu 92 voix. Monsieur Butor Patrick a obtenu 36 voix. Et Monsieur Monteil Olivier a obtenu 12 voix. Madame Carrère Marise, qui a obtenu 53,86% des suffrages des inscrits et 55,69% des suffrages exprimés, est élue dès le premier tour. Merci beaucoup. Tu pourras compter sur ma petite aide. C'est gentil, merci. Vraiment, je suis très heureux. Je serai tout à l'heure. Ah oui, le 2. Déjà le 2. Super, Marie. Merci super. Beaucoup. Une petite réaction à cette victoire qui était compliquée parce qu'il y avait beaucoup de candidats déjà. Être élu au premier tour avec 12 candidats, je ne croyais pas que c'était possible, mais ça l'a été. D'abord, je suis très émue parce que c'est une élection particulière, une élection que où j'ai le sentiment d'avoir été élue par mes pairs. Voilà. Et c'est quelque chose qui est important pour moi. Être maire d'une commune aujourd'hui, ce n'est pas facile. Et être élue par des maires, par des grands électeurs, pour moi, c'est quelque chose de très, très émouvant. Bien sûr, mes premières pensées vont à mon suppléant, Michel, qui m'a accompagné, m'a porté sur cette élection. Et puis à François Fortassin aussi, avec qui j'ai passé quand même de nombreuses années. Ils étaient tous les deux avec moi aujourd'hui. Et c'est ce qui a aussi fait mon élection, je pense, de cette façon au premier tour. En tout cas, moi, je suis fière d'être aujourd'hui sénatrice. Et j'espère que je pourrai aller porter cette voix des Hautes-Pyrénées haut et fort au Sénat demain.